super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Corentin, coucou Océane, coucou Lily, coucou Virus. Coucou les loulous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo d'une nouvelle recette. Ouais. Alors une recette de quoi? Churros. Des churros. Waouh, c'est trop bon ça. Où est-ce qu'on en mange des churros? À la fête foraine souvent. À la fête foraine, mais c'est trop bon, on en fait pas souvent. Mais c'est super simple les amis à faire. Est-ce que vous voulez commencer? Oui. Oui. Alors, on va donner la liste des ingrédients. Alors vous aurez remarqué qu'on est assez nombreux sur la vidéo parce que le tonton, donc alias Virus TV, donc, c'est moi, allez voir sa chaîne au passage, est venu garder les enfants. Donc du coup on a profité pour faire la vidéo avec lui et puis Lily qui est avec lui sur sa chaîne et aussi sur Twitch. Voilà, donc ça s'appelle pareil Virus TV. Donc on va commencer on va commencer la vidéo tout de suite, la recette tout de suite avec la liste des ingrédients. Bien. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut, Corentin? De la farine, du sucre vanillé, de l'eau, du sel. Ouais. Et du sucre en poudre. Et puis là-bas, on a déjà mis à chauffer de l'huile parce qu'il va falloir faire frire tout ça. Alors, une cuillère déjà. Une machine à churros. Il y a une casserole et une autre petite casserole. Un saladier, une cuillère. Et si vous n'avez pas de machine pour faire le churros, donc ça s'appelle une chourosette, hein, vous pouvez très bien en trouver sur internet, c'est pas cher du tout. Ou sinon, vous prenez une poche à douille. Voilà, c'est super simple. Une poche à douille. Alors, est-ce qu'on commence la recette? Alors, attention, parce que Virus ne cuisine jamais sur sa chaîne. Ah, pas sur ma chaîne. Voilà. Ouais, bon, à la maison, je sais pas, il m'a jamais fait à manger, mais enfin bon. C'est très très bien. Si, je cuisine. Confirme. Ouais. Si, tu cuisines? Est-ce que tu cuisines bien, moi? Je pense, elle est pas morte. Donc, ouais. C'est que je dois cuisiner bien. Alors maintenant, on va faire bouillir l'eau. Alors, on va mettre à bouillir l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait bouillir l'eau. Non, on va mettre l'eau. Oui, forcément. Donc, on met l'eau dans une casserole. Ah voilà. Oui, ça peut aider, oui. Et on va la mettre sur le feu, surtout les amis. Petite question, combien faut-il de centilitres d'eau? Ah, alors c'est simple, c'est pour un bol de farine, un bol d'eau. C'est super simple la recette. Donc de toute manière, ça va être dans la barre d'infos, les quantités pour réaliser la recette. Ouais, qui est là-dessus, qui est sous la table. Vous déroulez le menu et vous avez les ingrédients. On vit l'époque. Alors surtout, ne faites pas chauffer l'eau tout seul, donc c'est un virus qui va s'y coller. Allez, hop. Demandez toujours l'autorisation de vos parents. Allez, on va faire bouillir ça. Si je te vois pas, tu me vois pas. Oui, on te voit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire alors, les loulous? Parce que tonton, on va lui apprendre à faire des churros et puis à Lily aussi. Hein. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à part se mettre le saladier devant le visage comme un masque? Très important, sinon ils sont pas bons. Toujours faire, toujours. Très très important. Je sens que ça va partir en cacahuètes. Mais non, on fait pas des cacahuètes, on fait des churros. Faut suivre un peu, là. Au bout d'un moment, là, c'est. Tu vois, faut le contact. Si t'as pas de contact, t'es perdu. Pourquoi moi je suis pas perdu? Parce que j'ai une boussole dans le cœur. T'as compris. Bon, passons à la suite, du coup. Alors, il faut mettre quoi? Du sucre glace. Du sucre vanillé. Du sucre vanillé dedans? Après, il faut du sucre. Sans mettre partout? Tu l'ouvres? Comme ça. Mais on met tout ou pas? Laisse-la donc. On met la moitié. Vas-y, donne le petit. Par ici. Et là, tu mets là? Vas-y. Tu mets tout. Farine. Ah, si, ça. Ouais. Et puis, Corentin, tu vas mettre quoi dedans alors? La farine. La farine. Attention. Mets-toi la farine. J'ai pas fini de tout mettre. On va y arriver, Et ayez confiance, croyez-en. Comment? On fait quoi là maintenant? Je vais mettre le sel. On met une pincée de sel. Petite. Il faut que tu mettes tout dedans. Tu mets tout? Tu frottes avec la glace? Non, pas comme ça, Océane. Regarde. Comment on met une pincée de sel avec la glace? Tu prends la pincée. Fais comme ça. C'est meilleur après.
très important comme ça. Vas-y. Ah, non, tant pis. Mets tout dedans. Ouf. Tu vois? Attends. Tape dessus. Toujours taper dessus. Très important. Mais non, mais pas sur moi, c'est une poubelle. Fais gaffe, hein. Il faut le contact, mais pas trop. Et voilà. Si il y a trop de contact, voilà, c'est pas bon. Ça y est, vous êtes sortis quand même pour mettre de la farine. De la farine, du sucre et d'un petit pincée de sel. Voilà. Et après, le et du sucre vanillé. Et du sucre vanillé. Voilà. Et du sucre vanillé. C'est non, ça c'est pas pour tout de suite. D'accord, pas, on s'en fout. On s'en fout. Fait bien. Ok. Alors ensuite, eh ben, on mélange. Ah, faut mélanger. Moi, je propose que ça soit la plus petite qui mélange. Bon, vas-y. Allez, Lily. Vas-y. Hop là. Hop. Allez, on mélange. Moi, je tiens. Tu tiens comme toi aussi. Ça va me crever un œil. C'est, on le dit jamais assez, donc, hein, mais faites gaffe, ça peut être dangereux. La farine dedans, t'as quoi d'autre? Et attends, le sucre ne tourne pas. Non, vanille, vanille. Et ne tourne pas. Et faut tourner le centre aussi. Et du sel. Ouais, ouais. Ne tourne pas au sel. Et maintenant que c'est bien mieux, je pense que c'est bien mieux, il va falloir mettre l'eau à l'intérieur. Donc, qui est à l'intérieur, s'il vous plaît? Qui? Quoi? L'eau bouillante, alors Lily va aller chercher le mec. Bon. Est-ce que l'eau est cuite? Elle est cuite. Bon, bah, si elle est cuite, l'eau, bah, on peut verser ça tout d'un coup. Attention. Alors, par contre, il faut faire gaffe aux petits doigts. Ah, c'est chaud. Vas-y. Tonton, il va tout couiller. Doucement. Moi, je vais tout me prendre dans la tête, tonton, de toute façon. Tonton, ah, faut touiller, faut tout yurer. Non, vas-y, non. Mets tout. Voilà. Excellent. Hop là. Excellent, ça fait du grumeau, j'adore ça. Attends, il reste encore des gouttes. Ça fait de la bouillie. Très important la goutte qui reste. Et les grumeaux. Et on Attends, tu peux porter. Je vais aller poser ça. Mais... Ah oui. Donne. Ah bah tiens. Tonton va le porter. Cramer. Hop. Et là. Tu touilles. Allez, vas-y, touille. Avec les deux mains, prends avec les deux mains, comme ça. Et tu touilles, tu touilles. Allez, on touille bien, jusqu'à l'obtention d'une pâte assez homogène. Le plus facile, c'est rien de touiller avec les doigts. Non, c'est très chaud. Ah bah oui, ils étaient bêtes, ce que tu as dit. Donc les enfants ne mettaient pas les doigts dans cette pâte qui est très très chaude. Bah oui. C'est complètement zappé que l'eau était cuite. C'est bon, c'est terminé. C'est tout beau, c'est de la pâte. Ça colle aux doigts. Nickel. Je peux voir. Non, tu veux voir? Regarde. Ça c'est que ça ressemble. Ah ouais. Et ça, ça va être quoi les... Tourottes. Eh bah voilà. Les tourottes, ça des crèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh ben faut ouvrir la chou recette. Et mettre la pâte là-dedans. Exactement. Allez, bon, je le fais. Tu me fais? Je mets la pâte. Non, mets la pâte partout. Regarde, tu vas faire avec moi, tu vas tourner le truc, toi. Ok? Ah! Il y a un peu de pâte. Non, je vais faire ça. Tu vas faire quoi? Ça. Tu vas en mettre? Allez, vas-y. Passe. Vas-y, passe dedans. C'est... Attends, je te porte. Hop là! Ah non, j'y arrive pas. Hop là! Ah là! Tu veux le muscle ou. Non. Tu m'en prêtes? Non. Trop cher. Réduction budgétaire. Beaucoup et tu mets tout dedans. Faudra agrandir le studio un jour, hein, parce que... on a un peu serré, là. Vas-y, donne-en ta soeur. Oh, j'en ai tout donné. Regarde, pas à côté. C'est marrant, on dirait du Thunder Sand. Thunder Sand ou Thunder... enfin bref, vous connaissez le truc, là. Super Sand. Voilà, Super Sand, ça ressemble à ça, hein. Je vois que... Par contre, ça sent meilleur. Je crois que Océane a perdu un doigt dedans, tellement ça colle. C'est pas grave, ça se mange, ça fera d'adorer. Les amis, ça colle et c'est normal. C'est normal, il faut que ça colle. C'est normal aussi. Allez, vas-y, pousse. Ah, vous avez tout mis dedans? Oui, attention, pousse, pousse. Ouais, mais elle a même mis sa main et elle arrive plus à l'enlever. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Voilà, maintenant elle a mis sur mes doigts, nickel. Fait plaisir. J'ai envie de goûter moi aussi. Est-ce que c'est bon cru? Non. Non, la pâte à chou, c'est pas bon cru. Cru, c'est pas bon. Mais ben non, c'est normal, la pâte à cookie. La pâte à cookie crue, c'est super. C'est différent, tu mets le sucre avant. Attends, il me reste. Parce que c'est bon. Là, c'est très bon. De quoi? J'ai les doigts mous. J'ai les doigts mous. Et voilà. Voilà, c'est... Et voilà, ça y est, 5 minutes pour mettre une pâte dedans. Super, encore du monde. Ouais, trop bien. Est-ce que je peux avoir un bouchon? Refermez la chou recette. Ah, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas. Attends, c'est pas bon. Attends. Moi, je trouve ça délicieux. On va pousser un peu. Voilà.
Par contre, le montre pas. Hein, wow, voilà. Et après, c'est bon. Va falloir tourner. Oui, mais vas-y. Mais ça, on va faire ça en cuisson. Alors, on va se retrouver. Non, pas tout de suite. Vous devez faire comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Et là, ça sort, c'est beau. Allez, maintenant, on se retrouve derrière les fourmis. Maintenant, de l'autre côté, pour que ça s'arrête. Donc, voilà, c'est bon. Ah, mais c'est bon, je suis obligé de l'enlever non plus. Au bout d'un moment, alors, maintenant, on va se retrouver dans la cuisine. Par contre, les enfants, on va manipuler de l'huile. Donc, ne faites pas ça sans vos parents. Parce que c'est très très froid. Chaud. C'est très chaud. Alors, maintenant, on va mettre à cuire. Alors, comment on fait cuire ça? Ben dans de l'huile chaude, voilà. Exactement. Qu'on a déjà fait chauffer, donc ben on y va. Et on va faire des petits churros d'à peu près ouais, une dizaine de centimètres. Comme ça, c'est vraiment minuscule. Par contre, je vais... Faut couper au montage. Mais attends, je vais te tenir. Elle a tout cassé. On a eu un petit problème technique, voilà, donc Lily a cassé la machine. Non, donc on l'a réparée et du coup on recommence. Donc on va en mettre 4, ça suffit. Et puis on va les laisser cuire, il faut pas longtemps. Il faut pas trop longtemps, il faut à peu près 5 minutes, c'est un carnage. 5 minutes et puis quand ils seront dorés de chaque côté, bon, on va les mettre sur du sopalin. Alors comme vous voyez, ils ont doré, bon on a eu beaucoup de mal à les faire dorer, je sais pas, ça doit venir de la plaque, peut-être de l'huile, enfin je sais pas, mais là on va les arrêter en cuisson. Et on va les mettre sur le papier sulfurisé, alors bien sûr on en a fait d'autres, ils sont à côté. Alors voilà ce qu'on a déjà fait, alors on les a saupoudrés de sucre, et puis bah, ceux-là, bah, les autres on va les rajouter dessus, et ainsi de suite, on va faire ça jusqu'à la fin de la pâte. Oh les loulous, c'est déjà terminé? Oui. Enfin, déjà terminé. Après ouais. 20 heures de cuisson. Alors, c'était très très long à cuire, les amis. On va pas vous le cacher. Parce que j'avais un problème avec ma plaque, je pense. Que ça vient de la plaque, donc voilà. Mais bon, on y est arrivé. Alors les loulous, le moment de la dégustation. Hein, tonton, il veut peut-être déguster aussi, non? Oui. Ou pas? Peut-être non, c'est pas bon. Pas lui. Pourquoi pas lui? Je suis là. Ouais, je ferme la gorge. Oh là là! Alors, est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais. Ils sont bons. Ils sont bons. Il manque 2 ou 3 heures de cuisson encore. Mais oh les loulous, c'est un pouce vers le haut, vers le bas. Merde. Pouce vers le haut. Voilà, plein la bouche, on sait. Moi, je dirais 2 pouces vers le haut. 2 pouces vers le haut. 2 pouces vers le haut. Ouais. 2 pouces vers le haut. Oh, bah, il est trop c'est mieux, tiens. 1000. 1000. Oh là là. C'est mieux. Alors, les amis, bah, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Abonne-toi. Et on attend la prochaine vidéo, Willy. Ciao. Des bisous. Et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit.